Et salut tout le monde, alors nous voici pour le match entre le LOSC et le Stade Rennais qui aura lieu ce dimanche 10 mars 2024 à 17h05 au Stade Pierre Mauroy. Le LOSC vient de gagner 3-0 en Conference League contre l'équipe autrichienne de Sturm Graz. Deux buts de Jonathan David et un magnifique but de Zerova. Le LOSC vient de battre Reims 1-0 le week-end dernier. Le LOSC est placé à la 4e place du championnat. Et l'équipe de Paulo Fonseca voudra consolider cette position face à un concurrent direct, le Stade Rennais, qui lui est à la 8e place du classement, à 6 points du top 4. Pour ce match, notre génie belge Eden Hazard sera de retour. Des événements avant-match seront organisés. Et il fera le coup d'envoi de ce match qui risque d'être très serré. Un duel tactique de haut niveau. Mais dans son enceinte, le LOSC reste cette année intraitable et devrait l'emporter haut la main face à des Rennais qui viennent de perdre le derby breton 2-1 contre Lorient le week-end dernier. Il faudra faire attention à toute cette armada offensive du Stade Rennais. Pour ce match, du côté du LOSC, il y aura 6 absents. Thiago Moraes, Rafael Fernandez, André Illich, Samuel Umtiti, Ignacio Miramon et Adam Mounas ne seront pas disponibles. Ivan Cavalero pourra faire son retour. Lille-Rennes, 25e journée de Ligue 1, c'est maintenant. Allez, on est parti ici pour ce match entre le LOSC et Rennes. Alors, pour ce match et pour fêter l'arrivée d'Eden Hazard lors de ce match, j'ai mis Eden Hazard dans la compo. Espérons qu'il marque ou qu'il fasse une passe décisive. Allez, c'est parti. Hazard, dans ses manœuvres. David qui perd la balle. Ah, faute du Rennais. Coup franc pour Gomez. Essayer de tirer direct. Non, c'est une passe. C'est Matan Aronson. Oh, le tir ici. David. Zagrova. Non. Arrête du gardien. C'est une touche. Zagrova. Qui passe. Et c'est une tête. Oh. Le gardien arrête. Hazard pour Gomez. Gomez qui remonte le terrain. Pour David. David. Qui se positionne. Qui frappe. Et qui marque. But pour Jonathan David. Ça fait 1-0 pour le LOSC. Superbe tir croisé. Le gardien est surpris. Il n'a pas le temps de l'attraper. Et ça fait 1-0 pour Lille. Rennes qui essaie de s'en sortir. Et Lille qui est toujours à l'attaque ici. Tête d'Alson. Oh, quel loupé. Et c'est la mi-temps. Et Lille mène 1-0. Allez, deuxième mi-temps. Qui part en contre. David qui cherche quelqu'un. Pour Zegrova. André. Hazard. Hazard qui remonte le terrain. Qui passe à Gomez. Pour David. David. Qui essaie de dribbler. Qui cherche quelqu'un. Ah, c'est très serré. Attention là, la frappe. Repoussé par le gardien. Très puissante. Gomez pour le
corner, ça va sur... Non, c'est repoussé. Et les Rennais qui partent en contre. Mais c'est repris par le Lillois. Attention Gomez, très en forme aujourd'hui. Qui centre pour Zegrova, mais qui loupe la balle. Superbe action. Corner de l'autre côté. Cafouillage. Et c'est le tir. Non! Il va le marquer. Oh, deuxième arrêt du gardien. Incroyable. Quelle action de Lille. Et la frappe au ras du poteau. Oh, c'est loupé. L'arbitre siffle la fin de ce match. Sur une victoire de 1-0 du LOSC contre le Stade Rennais. Le LOSC qui enchaîne les victoires et qui garde sa quatrième place. Alors mon prono pour ce match, ce sera 1-0, voire peut-être 2-1, car il y a toujours des buts de chaque côté. Et je tiens à dédicacer cette vidéo à Eden Hazard, le prodige belge, pour tout ce qu'il a fait au LOSC. Et toute sa carrière. Merci Eden. Tu nous as fait rêver. Allez, salut.